Bonjour et bienvenue sur la chaîne GeekTech. Avant de commencer, si vous appréciez les revues et vidéos technologie, n'hésitez pas de vous abonner pour être avisé des prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va faire la revue de l'un des smartphones robustes sur le marché. On parle bien sûr de AGM H5 Pro et son nouveau design qui emprunte fortement au Glory, plus précisément à la version Glory Pro, pour offrir quelque chose avec une saveur légèrement différente, mais dans un emballage familier. Alors que la série Glory est plutôt destinée à un usage industriel, le H5 Pro est doté de caractéristiques plus adaptées au style de vie, comme un haut-parleur étanche et un anneau lumineux LED animé. Comme beaucoup de téléphones modernes fabriqués en Chine, le H5 Pro a d'excellentes spécifications et pour environ 320$, il représente un bon rapport qualité-prix. Et pour 50$ supplémentaires, AGM fabrique un dock en plastique qui permet de recharger le H5 Pro sans accéder au port USB-C via les broches Pogo, ce qui est en fait un investissement intéressant. Après avoir sorti AGM H5 Pro de son emballage, une boîte belle qui contient également un chargeur, les propriétaires seront d'abord frappés par la taille du téléphone H5 Pro. Il doit être aussi grand pour intégrer l'écran IPS TFT de 6,51 pouces ainsi que toutes les autres technologies qu'AGM y a intégrées. L'emplacement des boutons est presque celui des téléphones robustes, avec un bouton personnalisable par l'utilisateur sur la gauche et le bouton d'alimentation et la bascule de volume sur la droite. Ce qu'AGM n'a pas fait, c'est utiliser le populaire lecteur d'empreintes digitales sur le bouton d'alimentation en le plaçant au centre de l'arrière. C'est un emplacement beaucoup plus convivial pour ceux qui ne sont pas droitiers. L'arrière est doté d'une intéressante finition en fausse fibre de carbone qui aide le propriétaire à tenir ce gros morceau de 360 grammes même avec des mains mouillées. Mais ce n'est pas l'aspect le plus frappant de l'arrière puisque AGM a placé un énorme haut-parleur étanche à l'endroit où la plupart des téléphones ont leur appareil photo arrière. Il y a deux problèmes avec cet élément, le premier étant qu'il oblige les trois capteurs de l'appareil photo, le flash LED et la lumière infrarouge, de se trouver sur les bords du téléphone. Ils sont si près du côté du téléphone qu'il est incroyablement facile de les masquer avec un doigt et de ruiner votre tentative de photographie. Le deuxième inconvénient du haut-parleur est que sa projection empêche le téléphone d'être posé à plat. Un problème mineur, mais qui garantit que la recharge sans fil ne sera jamais une option. Les ingénieurs d'AGM ont tenté d'atténuer ce choix en utilisant des broches Pogo sur le bas du dos, permettant de charger le H5 Pro sans retirer le bouchon étanche qui recouvre le port USB-C. Un autre bouchon en caoutchouc couvre le plateau SIM étendu qui peut accepter soit une seule carte nano et une carte micro SD, soit deux cartes SIM nano. À d'autres égards, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est qu'il s'agit d'un design qui est manifestement conçu pour prendre beaucoup de coups, être mouillé, être utilisé comme un instrument contendant et continuer à fonctionner. Le H5 Pro utilise un panneau IPS 1600x720 qu'AGM appelle FHD+. Ce que cet écran offre, c'est une grande luminosité avec 500 nits de luminescence. Cependant, il s'agit d'une surface en verre très brillante et même avec ces niveaux de luminosité, il peut être difficile de voir clairement en plein soleil. Là où ce design ne fait pas d'économie, c'est dans le choix du SoC. Il utilise l'une des meilleures puces fabriquées par MediaTek, le Helio G85, et son Mali G52 MC2 associé. Une impressionnante plateforme à 8 cœurs avec 2 cœurs ARM Cortex A75 à 2 GHz pour les tâches de performance et 6 plus petits ARM A55 à 1.8 GHz pour l'efficacité. Il dispose ici de 8 Go de mémoire DDR4 et de 128 Go de stockage, ce qui est suffisant pour la plupart des utilisateurs qui n'enregistrent pas de quantité excessive de vidéos ou ne conservent pas d'autres données. Un stockage supplémentaire peut être ajouté en utilisant une carte micro SD si vous n'utilisez qu'une seule position nano SIM. Il y a plus qu'assez de puissance et d'espace pour utiliser le H5 Pro dans un large éventail de scénarios. Et les performances des GPU offrent un certain potentiel de jeu. La dernière caractéristique de ce téléphone qui pourrait prêter à controverse est le haut-parleur. AGM affirme que
le haut-parleur peut émettre 109 décibels. Et pour mettre cela en perspective, se tenir à côté d'une moto est environ 95 décibels. Donc c'est plus fort que cela. Dans un certain cas, la possibilité de diffuser de la musique lors d'une fête improvisée sur la plage ou autre pourrait justifier l'utilisation de cette fonction. Mais il est probable que cela ennuie fortement les personnes à proximité. Si c'est votre cas, profitez de la possibilité de produire 109 décibels tant que cela dure. Mais sachez que des dommages auditifs permanents peuvent être un problème à 120 décibels. Et comme on a dit, l'AGM H5 Pro possède 4 caméras. Le H5 Pro témoigne d'une approche mixte. La caméra arrière principale utilise l'excellent capteur Samsung S5KGM 2SP de 48 mégapixels. Et à côté de celui-ci, on trouve un capteur G-Core-Inc GC02M2 de 2 mégapixels pour le travail macro et les portraits à mise au point ajustée. Et le troisième capteur arrière est un Sony IMX 350 de 20 mégapixels en mode vision nocturne IR. Parmi ceux-ci, le Samsung S5KGM 2SP est sans aucun doute la star, produisant des images très nettes et bien saturées. L'utilisation du GC02M2 de G-Core Inc. a produit des images acceptables, mais les fonctions de contrôle de la mise au point doivent être améliorées pour obtenir les meilleurs résultats de manière plus fiable. La vision nocturne fonctionne bien pour ceux qui aiment se promener dans l'obscurité en utilisant leur téléphone pour se guider. Ce matériel est moins puissant que ce que vous verriez d'un Qualcomm Snapdragon 480 ou d'un téléphone Helios G95, mais il est bien meilleur que le Helios G35 utilisé dans le modèle de base AGM H5. Dans l'ensemble, les performances du H5 Pro sont bonnes, mais il y a quelques domaines où elle aurait pu être meilleure. La batterie de 7000 mAh est une quantité décente de puissance, mais il existe des conceptions autour de 10000 mAh ou même 12000 mAh de capacité. Selon AGM, cela se traduit par 400 heures de veille, 150 heures de musique non-stop ou 32 heures de vidéo. Ce que 7000 mAh représente, c'est au moins 2 voire plusieurs jours de travail sans avoir besoin d'être rechargé selon la façon dont vous choisissez de l'utiliser. L'absence de recharge sans fil est quelque peu compensé par l'inclusion des broches Pogo qui permettent aux stations de recharge de recharger le téléphone sans perturber les joints d'étanchéité en caoutchouc. Cependant, les stations de charge ne fonctionnent qu'à un maximum de 10 watts, alors que si vous branchez un chargeur suffisamment puissant direct sur le téléphone, 15 watts peuvent circuler. Par conséquent, si vous avez besoin que le H5 Pro se recharge rapidement, n'utilisez pas la station d'accueil. Il y a beaucoup de bonnes choses à dire sur le H5 Pro, notamment en ce qui concerne le capteur de la caméra principale et la haute qualité générale de la construction. L'inclusion d'un mode de vision nocturne infrarouge en fait également un outil idéal pour les aventures en forêt où trébucher dans l'obscurité peut mal finir. Et voilà tout pour cette revue. Comme toujours, retrouvez tous les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous apprécie vraiment si vous êtes allé aussi loin d'appuyer sur le bouton j'aime et sur le bouton d'abonnement pour me soutenir sur cette chaîne. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao.